Salut, c'est Last Angel. Alors, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Ghost Recon Wildlands. Alors, je vous en dirai évidemment encore plus quand je reviendrai de la PGW, mais pour le moment, on va revenir un petit peu sur le jeu. Le jeu, bien sûr, est jouable en solo. Vous le savez, avec 3 bouts, puisque de toute façon on sera toujours 4. Mais si vous comptiez jouer seul à Wildlands, vous allez vraiment passer à côté d'une expérience coop extrêmement riche, parce que aussi bonne soit l'IA des bouts avec lesquels vous allez jouer, jamais elle n'égalera des amis ou des joueurs humains que vous allez rencontrer en jeu, avec qui vous allez pouvoir vous coordonner, mettre au point vos plans d'action. C'est vraiment le jeu a vraiment été pensé dans ce sens-là. Alors le jeu, encore une fois, bien sûr sera jouable en solo, mais je vous recommande vraiment fortement de plutôt l'exploiter en mode coopératif. Ça sera vraiment beaucoup plus jouissif, déjà parce que vous pourrez établir vos plans avec vos potes. Mais c'est en ça que le jeu aussi est sympa, c'est que tout le monde a son petit mot à dire, et puis un peut avoir une idée que l'autre a pas eu, etc. Et ça peut être assez génial. Et puis on peut essayer aussi comme ça de refaire plusieurs fois les missions. Alors l'open world de Ghost Recon Wildlands vous laisse, comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, une liberté totale. Il y a une bonne centaine de missions à faire dans cet open world, et vous les faites comme bon vous semble, et dans l'ordre que vous voulez, hein. Ça je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas de mission 1, 2 ou 3, c'est vous qui choisissez vos missions en fonction des envies que vous avez sur le moment. Alors attention, quand je dis que vous pourrez prendre les missions dans l'ordre que vous voulez, ça veut pas dire que le jeu n'est pas scénarisé, hein. Au contraire, il est bien scénarisé, hein. Et c'est là que c'est fort, parce que malgré cette scénarisation, vous restez totalement décisionnaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, à un moment donné, une cinématique qui vous dit « Tiens, il se passe ça », et ça implique que automatiquement vous allez devoir faire telle mission. Non, pas du tout. En fait, c'est les actions, en fait, que vous allez, les missions que vous allez réaliser vont à un moment donné écrire une histoire. Et en fait, c'est vous qui écrivez l'histoire de ce qui se passe dans cette Bolivie entre guillemets imaginaire, plus ou moins futuriste. Et vraiment, je trouve que c'est assez fort. Alors après, il faudra voir, parce que sur le papier c'est séduisant, il faudra voir ce que ça donne in-game, mais j'ai toute confiance, hein, d'après ce que j'ai déjà pu voir. Franchement, honnêtement, je pense que ça va être assez cool. Alors tout ce qu'on fera dans Wildlands aura en fait, vous l'avez compris, un effet domino, hein. Je m'explique, le but est de semer, encore une fois, je vous le disais, hein, le chaos entre le cartel et les politiciens, en faisant les missions qui vous semblent les plus appropriées, puisque encore une fois c'est vous qui décidez. Et le but, c'est de les monter les uns contre les autres. Alors, pour les monter les uns contre les autres, et puis avoir des informations sur ce qui peut leur faire le plus de mal, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, ça va être grâce aux Intel. Les Intel, je vous rappelle qu'en fait, ce sont des informations où vous allez les chercher soit dans des villages, soit dans des planques à droite à gauche. Ça peut être des informations qui sont sur un ordinateur, ça peut être un PNJ qui va vous révéler des informations, etc. Donc à vous de découvrir tous ces intels, et qui vont au fur et à mesure vous donner des nouvelles indications qui vont faire que peut-être ce que vous souhaitiez faire par la suite va devenir obsolète, parce que vous allez apprendre une information qui va faire que finalement c'est plus intéressant de faire autre chose que ce que vous aviez prévu, et ça casse encore une fois le côté linéaire qu'on pourrait retrouver dans ce genre de jeu. Je trouve en fait que c'est plutôt bien pensé. Vraiment, franchement, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus là, à la PGW. Je vous en dirai beaucoup plus en revenant, mais je suis vraiment très confiant et très hypé là-dessus. La trame principale se dévoilera donc, comme je vous le disais, au fil de vos actions. Le jeu sera donc pas linéaire, hein, j'insiste encore une fois dessus. J'insiste aussi sur le fait que les possibilités d'action et de rejouabilité n'ont de limite finalement que votre imagination, hein. Vous avez les outils, vous avez la météo dynamique, vous avez les habitudes des PNJ, les Intel, etc. Vous êtes le grain de sable en fait qui va faire tomber l'édifice, et c'est vous qui choisissez comment l'édifice va s'effondrer, et vous j'écrivais en fait l'histoire de votre Ghost Recon Wildlands, comme dans Mass Effect. La comparaison va vous paraître un petit peu bizarre, mais dans Mass Effect, en fait, on avait tous chacun notre Shepard, on lui faisait faire un petit peu, on le modelait comme nous on avait envie que notre Shepard soit. Et là, grosso modo, si vous voulez, l'histoire de votre mission en Bolivie, c'est vous qui allez l'écrire avec vos amis ou avec les bouts, hein, si vraiment vous voulez le faire tout seul. Mais je vous recommande encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas jouable tout seul, c'est pas du tout mon discours, mais il m'apparaît de plus en plus clair que le jeu sera beaucoup plus jouissif et beaucoup plus intéressant à faire à plusieurs que à faire en solo avec les boots. Alors l'IA des ennemis s'adaptera aux situations. Les PNJ par exemple pourront détourner des véhicules pour vous prendre en chasse. Faudra vraiment être vigilant. Ils ont essayé de faire une IA. Alors on le sait hein, tous, hein, les IA sont pas non plus tous. C'est difficile de programmer une IA hein, parce que si on programmait bien une IA, vous pourriez pas gagner. Donc l'idée c'est de programmer une IA qui est le plus crédible possible, mais en vous laissant vos chances. Donc forcément, les IA feront des erreurs comme dans tous les jeux. Mais a priori, ils ont l'air d'avoir travaillé sur l'IA de manière assez intéressante, de façon à ce que l'IA soit le plus ait un comportement le plus humain entre guillemets on va dire possible, sans égaler évidemment le cerveau humain parce que c'est pas jouable à l'heure actuelle, hein, c'est pas possible à l'heure actuelle. Et de ce côté-là, ça risque aussi d'être assez sympathique de voir les réactions des différentes IA. Il y aura évidemment des bugs, il y aura des choses comme ça, mais bon ça c'est dans tous les jeux, hein, on n'y peut rien. Mais a priori, moi de ce que j'ai pu voir pour le moment, je suis plutôt assez bluffé parce que parce que j'ai pu voir. Alors, en ce qui concerne les graphismes, et on va terminer là-dessus, en ce qui concerne les graphismes, de ce que j'ai pu voir, faut pas vous attendre à une claque graphique. Je vous en dirai plus en revenant encore une fois de la PGW. Ne vous attendez pas à une claque graphique énorme, même si le jeu en termes de qualité visuelle est très proche de ce que propose The Division, donc il est déjà très très joli. Mais on est sur un open world, hein. C'est le plus grand open world jamais réalisé par Ubisoft, hein, et sans temps de chargement, sans aucun temps de chargement. Donc il a forcément fallu faire quelques petites concessions au niveau des graphismes, comme ça avait été le cas, alors attention je fais pas de comparatif visuel avec The Crew, mais comme ça avait été le cas pour The Crew il avait fallu faire des choix parce que bah pareil, l'open world était quand même assez grand et les temps de chargement étaient inexistants. Sur les open world, c'est toujours difficile d'avoir de mettre le paquet sur les graphismes. Alors très honnêtement, ça serait possible, ça serait faisable d'avoir le plus beau jeu open world du monde avec des graphismes qui seraient aussi beaux que je sais pas qu'un Uncharted ou quelque chose comme ça. Mais les mecs, il vous faudrait 2 voire 3 GTX 1080 avec un CPU à 3000 boules. Non, il faut être raisonnable. Les développeurs regardent un petit peu les configurations moyennes, hein, ce que les gens ont en règle générale, et sont obligés de s'adapter au marché. Et beaucoup de mes relations n'ont pas des PC de combat, de guerre, des PC de gamers à 2000-3000 euros, tout le monde n'a pas ça. Donc en fait, obligatoirement, on est obligé de faire des sacrifices pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Alors oui, évidemment, quand on vous montre des trailers ou des choses comme ça, c'est jamais que des publicités. Et puis on vous montre sur les machines dont je vous parlais avec des CPU qui valent 3000, et puis on vous met 3 cartes graphiques à 1500 boules pièce, mais personne n'achète à la maison, et puis c'est de la pub, c'est voilà, faut à un moment donné, faut arrêter de délirer avec ces histoires de downgrade. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, mais je m'égare un petit peu et je vais quand même redire une seconde fois, les graphismes ne seront pas du tout laids, c'est pas du tout mon discours, puisque encore une fois je vous dis, ça sera très proche de The Division, et The Division au niveau du rendu graphique, je parle sur PC bien sûr, hein, puisque moi je suis essentiellement un joueur PC, est vraiment très joli. Donc on sera pas loin de ça, mais on sera pas aussi beau que ça. Ça il faut s'y préparer parce que en règle générale, il y a toujours des gens qui, à la sortie d'un jeu, commencent à cracher sur le premier truc, c'est les graphismes, c'est ouais, downgrade, machin, bidule, etc. Et un jour, je ferai une vidéo où on parlera, où je vous parlerai de ce que vous appelez le downgrade et de ce que moi je pense de ça. Et je pense qu'il y a un gros malentendu à ce niveau-là, mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je tenais absolument à vous mettre une autre vidéo parce que je vous l'ai dit, je pars demain. Aujourd'hui, je me suis dépêché, j'ai quand même pris le temps de faire quelque chose de bien, hein, faut pas non plus exagérer. Mais je pars demain pour la Paris Games Week, il me reste encore pas mal de choses à faire, ma valise est pas complètement prête, mes vêtements sont pas totalement repassés, j'ai encore plein de boulot. Ça c'est pas des trucs qui vous intéressent, je sais bien, mais c'est juste pour vous dire voilà que je voulais vraiment quand même vous mettre quelque chose avant de partir, et je vous rapporterai un maximum d'infos de toute façon sur Ghost Recon Wildlands, sur Watch Dogs 2, sur beaucoup de jeux Ubisoft attendus comme For Honor, que moi j'attends aussi vraiment beaucoup, sur la PlayStation VR, les jeux PlayStation VR aussi. Je vous rapporterai des infos aussi sur les jeux bien sûr Electronic Arts, etc. puisque de toute façon j'irai également sur les stands je serai pas que avec Ubisoft non plus, hein, j'aurai des moments à moi qui me permettront d'aller voir les autres stands. J'essaierai de couvrir aussi les jeux qui sont indés et qui sont présents sur le salon. Je doute que j'aurai le temps de vraiment de tout faire, hein. Ça va être très très compliqué parce qu'on a un agenda vraiment très très chargé, mais je vais essayer de faire le maximum pour vous rapporter le plus de choses possible, et puis un max d'infos sur les jeux qu'on attend, vous et moi. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que cette petite vidéo vous en a appris pardon, un peu plus sur Ghost Recon Wildlands. J'espère que je vous rapporterai vraiment beaucoup de nouveautés, notamment sur le multijoueur dans les quelques jours qui viennent, puisque je suis absent 3 jours et je reviens donc vendredi. Et puis je me mettrai au travail dès que je serai rentré pour essayer de vous procurer le maximum de vidéos sur mon séjour à la Paris Games Week. Voilà, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Si la vidéo vous a plu, soyez sympa, partagez, likez. Si ça vous a pas plu, dislikez, n'hésitez pas, hein, ça rend service aussi le dislike. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, messieurs les haters, mais plus vous dislikez, plus c'est sympa, parce que plus ça veut dire que sur une vidéo il y a de la polémique, et puis plus il y a de polémique, mieux on est référencé. Alors désolé de vous décevoir, mais vous ne me rendez pas malheureux quand vous me disliker, au contraire, ça me rend service. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, bye.